Macron continue ce qu'il sait très bien faire, hein, c'est se moquer de nous toutes et tous, hein, se moque de l'ensemble de la population. Derrière sa posture soi-disant solidaire, soi-disant humble sur la situation actuelle, en fait, c'est toujours la même arrogance, le même mépris. Et on sent derrière assez clairement quand même le point de vue patronal. D'ailleurs, juste avant, il y avait les discours du MEDEF pour dire qu'il fallait recommencer à travailler. Donc, en fait, le seul problème qu'ils ont, bah, c'est de relancer l'activité, c'est de remettre les gens au travail. Le message est clair, à partir du 11 mai, il faut reprendre. C'est la réouverture des écoles, et les gamins vont revenir, se retrouver tous ensemble. Prendre des risques pour eux-mêmes et prendre des risques pour le personnel enseignant et puis tous les adultes qui travaillent dans les écoles, les collèges et les lycées. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de masque, qu'il n'y a pas la possibilité de dépister l'ensemble de la population et pas juste celles et ceux qui présentent des symptômes. Donc on voit toute l'impréparation, mais cette impréparation-là, c'est pas de l'amateurisme, c'est qu'il y a une absence de préoccupation de la santé publique et que derrière, évidemment, les préoccupations, eh bien, c'est remettre en marche en tout cas la machine à profit, la machine capitaliste. Il faut que les patrons remettent les ouvriers au travail. On sent que c'est la seule préoccupation, c'est leur seul problème. Donc nous, on n'a pas juste à constater ça. Un pouvoir qui se moque de nous, mais comment on peut répondre à la situation actuelle? Et c'est vrai qu'il y a un problème de démocratie qui est clairement posé, c'est qu'on est toujours mis de côté, toujours en train de subir. Il y a un homme qui décide, il y a un pouvoir qui décide, et puis tous les autres doivent suivre ce qui a été décidé. Mais il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. Et donc là, on voit aussi comment la démocratie est ultra fragile. Donc c'est la critique évidemment de ça, la critique d'un système capitaliste, d'une économie qui doit complètement changer. On ne peut pas continuer comme ça. Ce sont les règles libérales, ce sont les règles de réduction des dépenses publique et qu'on conduit à ce que cette épidémie-là, elle ait cette ampleur-là. Les milliers de morts, et là aujourd'hui on en est à plus de 15 000 en France, et puis les catastrophes humanitaires qu'il peut y avoir dans les autres pays, tout ça c'est lié à ces politiques qui ont été menées, qu'on détruit les services de santé, qu'on détruit l'ensemble des services publics. Donc il faut que nous on réponde que l'urgence aujourd'hui c'est d'inverser, hein, c'est de mener des politiques qui soient sociales, dont la priorité c'est de répondre aux besoins de la population, et c'est le problème donc d'une économie qui doit être entre les mains de la population, sous contrôle public. Donc c'est la question des services publics, c'est la question de l'expropriation, c'est la question de la socialisation. La grosse urgence aussi, c'est qu'on voit bien qu'une partie de la population, les réfugiés, les sans domicile fixe, tous ceux qui sont ultra précaires aujourd'hui, sont dans des conditions encore plus dangereuses que les autres. Donc là aussi, il y a la question de la réquisition des logements dans l'immédiat et de mettre à l'abri tout le monde. Tous les moyens sont là pour pouvoir faire ça et c'est pas fait. Donc on est en position critique et on pense qu'il y a urgence à sensibiliser sur la possibilité d'un plan d'urgence, mais c'est un plan d'urgence qui est forcément en rupture avec les logiques politiques qui sont actuellement en place. Donc ça veut dire aussi en rupture et en confrontation avec les possédants et les dominants qui contrôlent l'économie actuellement. La sortie du confinement, ça sera aussi ça. Ça sera comment on reprend notre activité politique, comment on reprend notre activité militante et comment notre camp social retrouve des forces pour se battre et se défendre au quotidien face à un système assez destructeur.